Messieurs, dames, bienvenue dans l'édition 2 de la roue du con. 8 cons ont décidé de participer à cette roue incroyable. Qu'est-ce qu'il en est? Je propose à des cons, s'ils ont envie de tenter quelque chose que moi je fais de temps en temps. En fait, une fois je suis allé chez GCC, j'avais pris une ETB, je leur ai dit les gars, j'ouvre l'ETB et quoi qu'il arrive, je suis obligé de grader une carte. J'ai une ETB tellement nulle qu'au final j'ai gradé la promo, d'accord? Et en fait, je trouvais ce concept vraiment fou parce que ça rajoute une pression de dingue. Alors par contre, oui, en effet, tu vas pas souvent être rentable, mais ça donne une ouverture assez rigolote et on s'amuse beaucoup. Donc du coup, les clients ont payé beaucoup plus cher leur booster, mais ils ont un booster et dans le prix ils devront choisir la carte qu'ils veulent et elle sera gradée obligatoirement. Du coup, des fois tu vas te retrouver avec une carte plutôt sympa, des fois non, mais ça donne une ouverture vraiment rigolote. Et pour ce faire, nous avons des participants. Alors bien évidemment, les participants sont dans les starting blocks, sont prêts et on va tirer votre booster au sort. 8 participants pour cette deuxième roue du con. Le premier, c'est Bagdo. Bagdo, ton numéro de booster. Yeah. Allez, le 2 pour toi mon pote. Et ça note directement le numéro 2. Noah. Oh Noah. Noah, il devra attendre la fin de l'ouverture. Ce sera le dernier booster pour toi. Chucky! Le 7 pour Chucky. On part avec Simonou. J'ai oublié de le retirer, c'est pas grave. Le 3 pour Simonou. Et j'enlève le 7 aussi. On va passer sur Nueve. Le 1 pour Nueve Zipartna. Oh, j'ai rajouté un truc. Oh, je suis trop. Oh, j'ai une idée de génie. Le 5 pour notre ami Zipartna. Et il va rester Alex et Tétouze. Et c'est pour Alex que le numéro est tiré. Ce sera le numéro 4 pour Alex. Et du coup, elle mérite quand même sa roue. Hein. Le 6. Le 6 pour toi. Est-ce que quelqu'un veut échanger son booster avec quelqu'un d'autre? Ah, sur celle-là, voilà. S'il y a un échange, vous pouvez le faire. Est-ce qu'il y a un échange? Est-ce que quelqu'un veut changer? Voilà, est-ce qu'il y a un feeling? Voilà, hein, vous me dites, hein, il n'y a pas de problème, on peut échanger. Hein. Ah, ça peut rajouter encore plus de somme. Alors, si partenaire a demandé le 6 à Tétou, je sais pas si ça va être validé ou pas. Nueve, tu es chaud d'échanger. Nueve dit chaud. Donc, Chucky échange avec Nueve. Donc, Chucky récupère le 1 et Nueve récupère le 7. On est d'accord les deux? J'ai besoin d'un oui pour les deux, s'il vous plaît. Ok, si tu veux. Ok, Tétouze et Zipartna. Je suis parti dans un truc, j'aurais dû me taire. Tétouze qui repart du coup avec le booster de Zipartna qui est le 5. Et Zipartna du coup qui a proposé l'échange prend le 6. Oh putain, il va avoir du sub. J'aurais peut-être pas dû proposer ça. Oh, c'est dangereux. Allez, c'est parti, on y va comme ça. Nueve, t'es ok avec l'échange, hein? C'est bon. Parce qu'on doit commencer par Chucky du coup. C'est bon, ok, vas-y. Roue du con. Chucky, premier booster avec une baleine. Ça va être magnifique, ça va être épique, c'est incroyable. Allez, c'est parti. On a un Sonistrel. Deden. Eoko. Doudouvé. Bagaïd. Rhinolove. Ectoplasma. Et ça hit. Il a fait un échange. Il a échangé avec Nueve. Bon. Pour le Nigrigon Shiny. Bon. Un chauve-sourire. Un motorisard. Et une énergie. Et un code online. Alors, au grade quoi? Je le vois arriver, je sais, le code. Ah putain. Bon, je grade le code et si pas possible, l'énergie électrique. Il me fait chier. J'en peux plus de lui. Je vais vraiment faire ça là. Ah putain. Il est bien cadré, hein.
Oh là 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 là. Allez, je te mets tout ça dans ta pochette. En plus, t'en avais déjà une, toi, ici. Chucky, monsieur, c'est dans ta pochette. Bon, du coup, dans l'histoire, Noévé a perdu à Nigrigon. Est-ce qu'il aura mieux? Ça, c'est seulement le temps qui va nous répondre. Le numéro 2, c'est pour Bagdo. Bagdo, est-ce que tu es prêt? Imagine, les codes online, ça passe et tout le monde gratte son code online. Allez, c'est parti. Le Pikachu. Avec Mordudor ici. À tout moment, on peut grader le booster. C'est plus cher, le booster. Magmar. Menzi. Salamèche. Briochien. Faible au ball. Reptincelle. Oh. Le Frigodo Shiny. Sympa. Le Spectrum. Et un motisme à chaleur avec une énergie psy et un code online. Je le dis, mais bon. Ah, je te jure. Le Frigodo ici qui tombe. Petit Frigodo Shiny. Qu'est-ce qu'on fait? Le cadrage. Ouais, bah après, sur cette série, les gars, il faut arrêter de pas du cadrage. Au bout d'un moment, on sait que sur les gradations Pokémon, ça compte pas énorme, quoi. Spectrum à grader, Bagdo. Allez, Spectrum à grader. Le Spectrum, ça, c'est aussi un portage de couilles. Spectrum Reverse à grader. C'est beau, ça. Et l'original, magnifique. Le petit uploader. Je vais me noter d'ailleurs vos cartes que vous gradez, comme ça, au moins. Je suis sûr de pas faire de bêtises. Est-ce que t'avais déjà fait sur le premier Bagdo? Non, t'avais pas fait le premier, toi. On emmerde les nouveaux Pokémon ici. Vous êtes totalement taré. Perso, j'ai DMG saisi sur Insta pour savoir ce code online. Mais attends, regarde, j'ai fait un message. Je vais faire un message. T'en bouge pas. Hello, grand chef. Dis-moi, demain, je vais devoir passer quelques gradations. Mais il faut absolument que tu répondes à une question. Il faut pas que tu réfléchisses trop. Demande-toi pas pourquoi. Est-ce qu'on peut grader les codes online? Voilà, c'est juste ça la question. Merci beaucoup. Presse-toi 100 sur Twitch pour la roue des cons. Ouais, merci beaucoup les gars. Après, comme je dis, on va essuyer beaucoup de critiques, d'accord, sur ce concept. Je veux juste mettre les choses au clair. C'est comme si on est des potes et on fait ça entre potes. L'argent, faites pas n'importe quoi avec non plus. Faites-le seulement si vous pouvez vous le permettre. Et voilà, d'accord. Mais voilà, on fait ça entre amis, entre personnes qui ont... Voilà, on sait ce qu'on fait. Et puis voilà, ok. Simonou, c'est ton booster à toi. T'es chaud? Allez Simonou, let's go mon pote. Et c'est parti. Pour l'instant, 2 hits quand même. Vous avez pas gradé, mais il y a eu 2 hits. Grondog. Barloche. Gourmelet. Neuneuf. Le Hyper Ball. Colossinge. Farfaduvet. Une Reverse Rare de Mimiki. Le Fragron, attention. Peut-être le premier booster sans rien. L'holographique de Maganon, il faut faire un choix là-dedans. Qu'est-ce qu'on grade? Aïe, Simonou. Au fait, Psycho, j'ai pu commander autant. C'est parce que j'ai changé de patron et que j'ai bien été augmenté. Je pourrais à chaque fois. Non, faut pas mettre tout ton argent chez moi, hein, frérot. Mais merci infiniment. L'énergie feu. Oh, le bonhomme. Ça grade une énergie feu ici. Oh, vous êtes des champions. J'ai tellement hâte de recevoir vos gradations. Faut vraiment que je reprenne ce live et que je le garde bien au chaud pour refaire l'ouverture et refaire une vidéo. Non, il a rien dit, pardon. C'est Bagdo. Quel bâtard, celui-là. J'attends. Mais l'énergie est prête, hein. Non, je rigole. Maganon, Fragouin, le petit Mimiki, qui est sympa. Sinon, est-ce qu'il y a des off-center, éventuellement? Il n'y a pas tant, hein. Fragouin, il me chauffe plus. Ça fait aussi partie des cartes vraiment marrantes à grader, hein. Fragouin, du coup, l'hyperbole est sublime. Allez, le jambon! Let's go, mon pote. Ça part en gradation. Dès ce soir, je prépare vos commandes. Je pense que je vous ferai une photo du panier que je vais devoir payer ce soir. Ouais, c'est n'importe quoi. Allez, Simonou, petite pochette et le Fragouin. Merci infiniment. On est au numéro 4. Et le numéro 4, c'est Alex. Est-ce que t'es là, mon Alex? Alex. On peut pas grader les codes online. Ah, merde. Ok, du coup, je te mets de l'énergie. Je vous rappelle que c'est les boosters des cons. Les roues des cons. Obligé de grader une carte dans ce booster. Alex, c'est parti. Ferro-singe. Flotillon. Pikachu. Il y a une save, quoi, de Pikachu. Colossinge. Farfaduvet. Bagaïde. Et il y a un shiny. Oh, le Scalproix shiny qui tombe. Et derrière, un petit trio pico. Il y a le choix ici. Qu'est-ce qu'on grade? Dis-moi tout. Je crois qu'en plus, le Scalproix, il me le manque.
Je crois. Non, c'est bon, il me la manque pas. Tu peux la garder. Le trio Pico. Après, en termes... Est-ce que... Elle coûte pas plus cher, celle-là? Je me pose la question. Après, tu grattes ce que tu veux, hein. Mais si c'est sur un terme de rentabilité, le Scalp Pro, est-ce qu'il coûte pas plus cher? Ouais, le Scalp Pro, on a 5 balles. Ouais, ça, c'est équivalent. C'est que tu préfères. Trio Pico. Allez, trio Pico. Trio Pico AR, à gradé. Eh, belle carte. Il y en a que 3, hein. En vrai, tu peux te faire un petit kiff et avoir les 3 du 7 gradé, hein. En vrai. Rudécon, la renta Balek. Bah, franchement, si on arrive à faire une renta, c'est ouf, hein. Après, à tout moment, c'est des cartes Pokémon. Tu sais jamais dans le futur ce que ça peut, jusqu'où ça peut aller, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On passe au numéro 5. Et attention! Attention, attention! On arrive sur un changement. Zipartna avait le 5. Il l'a donné à Tétouz. Et Tétouz avait le 6. Elle l'a donné. Donc là, on ouvre pour Tétouz. Et ça devait, à la base, être le booster de Zipartna. Attention. Tétouz, est-ce que t'as fait le bon choix? Qu'est-ce que tu sens? Je sais pas si mon code online en souvenir. Je verrai ça. C'est trop con. Magmar. Tétouz est plus, attends, j'attends parce qu'elle elle bosse en guillemets, donc je le sens pas. Mais si, ça va aller, regarde. Magmar, Menzi, Salamèche. Encore, t'aurais pu avoir deux Salamèche gradés, Tétouz. Super Bonbon, Bagaïde, Rhinolove, Quencia. Ok, on est sur quelque chose. Le Arboliva. Bon, je vais pas te mentir, ça n'a pas vibré. Pas de hit ici avec tout tombe. Et le Xatu. Et une énergie plante si tu veux. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bah y'a un hit. Quencia a gradé mon rêve. Qu'est-ce qu'on grade ma Tétouz? La maison. Go Salamèche. Allez, la petite commune de Salamèche qui part en gradation. Le petit lézard tout mignon. Garde ça là, petit Salamèche. Le village, le village, le village. Vous fatiguez tous, je vous le dis. Je sortais du stream, je serai éreinté. Et alors attention. Attention, parce qu'on va arriver justement au booster. Être pour monsieur, enfin être pour Tétouz. Mais qui a été récupéré par Zipartna? Est-ce que Zipartna a une vision? That's the question. Zipartna, t'es là? Est-ce qu'il y a eu un vol qui a été fait? Attention. On a un pomme des pics. Pikachu. Fampi. Loclas. Donphan. Aerio. Famignol. Vrombi. On grade quoi? Oh, le Mickey a gradé. Xatu, Machine, Vrombi, Famignol, Aerio, Donphan, Loclas, Fampitet et tout, ça a été sauvé, hein. Pikachu et Pomme de Pique. Qu'est-ce qu'on grade? Et une énergie aussi, de base. Et on fait un sacrifice sur le premier code. On peut pas faire le code? J'ai pas compris. Bah, Fampi. Pourquoi Fampi? Fampi. Pourquoi pas? Pourquoi pas, Fampi? Oh, oh, hey, pourquoi pas? Dans 3 mois, je vais vous remémorer ça, les gars. Ça va être magnifique. J'aime bien la carte. C'est exactement ça, le concept. Bon, il n'y a pas eu d'énormes hits hein, pour l'instant. Est-ce qu'on en a un? Ça, je sais pas, mais... Allez, Fampi. Pour monsieur Zipartna. Attention, il reste 2 boosters. Et attention, là. Attention. Noévé, est-ce que tu es là? C'était à la base le booster de Chucky. Mais il a échangé, et du coup, c'est Noévé qui le récupère. Il a pas forcément perdu grand-chose, parce que Chucky, lui, il avait pas grand-chose. Allez, c'est parti. Tu feras une grosse annonce pour le live de cartes gradées. Ouais, ouais, vous inquiétez pas. Fantominus. Paldea. Patachio. Spectrum. Machine. Fulgulero. Clove. Et c'est un gros shiny, le premier... Avec un gros doudou ex qui tombe ici. Et comme quoi au final... Oh putain! Oh putain! Oh j'y crois pas, le changement! J'ai une proposition à faire. Est-ce que t'es d'accord de savoir la carte que tu as dans 3 mois? Dans 3 mois? Allez, rendez-vous dans 3 mois, avec un motorisard à la fin. On veut savoir. Bah ce sera dans 3 mois les gars. Oh, ça a une dinguerie ça. Tom, dis-le au moins sur Discord. Non, parce que ça peut fuiter.
Je vous dirai pas ce que c'est. Vous savez très bien ce que ça peut être. Ça peut être Dracaufeu, ça peut être Gardevoir, ça peut être le petit Mew, ça peut être la Clove avec le psychoquack dessus, ça peut être voilà. Tu l'as vu? Oui, moi j'ai vu. Moi je sais ce que c'est, bien sûr. Mais si tu tombes sur cette rareté-là, c'est uniquement une de ces cartes-là. T'as la Mew ici, la Gardevoir, le Dracaufeu, Pepper, Clove, Machine et Menzi. Et Pania aussi, pardon. Ok? Ça peut que être une de ces cartes-là qu'il a tapé. Et du coup, il reste Noah à ouvrir. Noah, tu es là? C'est quoi, tu m'envoies un message quand tu recevras ton colis et mes cartes avec. Ouais, Ragon, pas de problème. Bien sûr, je sais que t'es un peu en stress, t'inquiète pas. Ils sont incroyables, tes streams. Merci beaucoup. Ouais, j'ai trouvé des concepts et franchement, je l'ai réfléchi l'autre jour, ce concept. Je vous l'ai proposé hier. Vous avez apparemment été chaud, donc on y va. Hein. Poulpaf, Vrombi, Frigodo, Grondog. Pour l'instant, il n'y a pas trop bon. Tu peux grader un Clove. Hein. Tu peux grader un Clove en vrai de ouf. Hein. Ah là là là. Colossinge, Kirlia, tout tombe. Oh non! Oh non! Sauvé sur le gong par un roue de fer X ou une énergie feu. Aïe 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 aïe. Le concept de dindin, je le ferai une fois par mois. Je vais essayer de voir si je peux essayer de baisser les prix, imaginer un truc, un machin. Mais après, vous savez très bien comment fonctionne mon partenariat avec GCC. J'ai pas de remise, j'ai 5% comme vous. J'ai rien. On part une année en test pour voir ce que ça donne et à la fin de l'année, on prend une décision. Qui accepte un deal comme ça? Que moi, parce que moi, je suis là pour la passion, tu vois. Mais j'ai aucun deal avec. Même moi, mes cartes, je les paye à moins 5%, comme vous. Prends-moi la poulpe, s'il te plaît. C'est Noah. Il demande le poulpe. C'est incroyable. Le poulpaf, putain, on va avoir un poulpaf PCA, frérot, je suis refait de ouf. Tu fais grader avec qui? PSA, on les envoie en Amérique. Les Américains, ils vont se dire... That's French people, you know, send me a poulpaf. What the fuck? Les commandes de merde. Noah, merci beaucoup pour ta participation. Énergie électrique de retour, magnifique énergie de base. En français, attention, la valeur qui va exploser avec un 10. Exceptionnel. Ça, c'est de la collection. Ça, c'est de la réelle collection, tu vois. Bagdo. Oh, Bagdo. Bon, Bagdo, il a tenté, ça a pas marché. Voilà. Il a tenté sur 4.5, ça a pas marché. Voilà. Il a eu Spectrum. Bon. L'autre problème qu'il y a, c'est que toi, ça va faire très mal. Ah, bah, c'est le français, hein. Ah, le français, des fois, ça peut faire très mal, hein. Franchement, ça c'est... Mais après, c'est Pop 1. T'es le seul mec à avoir une PSA Spectrum 7, quoi. Ça reste Pop 1, donc ça reste 1 million d'euros. D'accord? C'est ce qu'il faut que tu te dises, parce que sinon, c'est une dépression. Mais, pour la peine, je te mets la pochette PSA officielle. Hein. Parce que là, quand même, il y a quelque chose. Les gars, le français, vous le savez très bien. Malheureusement, des fois, il y a des trucs qu'on voit pas forcément, etc., etc. Mais là, je pense que sur Bagdo, on a un gros gagnant. La pochette est plus chère que la carte. C'est possible. Je crois que c'est vrai. C'est vrai. Mais t'as une belle pochette. On va te prendre au sérieux en tout cas quand tu vas arriver en session d'échange avec ça. Oh là 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 là, les beaux moments. Merci infiniment. Merci infiniment pour ça. Et malheureusement, un cochon. Un cochon en œuf, ça c'est très drôle. Le cochon, il est magnifique. Le cochon est quand même magnifique. Ça, je pense que c'est une des plus belles cartes du roue du con. Alex, t'avais fait une roue du con dernièrement, non? T'avais pas envoyé une tribite par hasard en gradation d'une roue du con, là? Allez, il est revenu avec la note de... Non, mais merde. Oh, j'aurais voulu un 10. Ah non, j'aurais voulu un 10. On a la commande 49-22. Alors, en Amérique, ils m'ont appelé. Hein. L'Amérique, ils m'ont appelé spécialement pour toi, t'es tous. Ils m'ont dit, excusez-nous, je pense qu'il y a une erreur parce que vous nous avez envoyé un Salamèche. Est-ce que vous vouliez pas nous envoyer à la... par hasard un Dracaufeu? Et j'ai dit, non, c'était vraiment lui que je voulais vous envoyer. Je me suis dit, non, mais attendez, c'est bizarre parce que il est... Enfin, c'est pas Rivers, quoi. C'est... Et j'ai dit, non, c'est bien ça qu'on voulait vous envoyer. Donc du coup, ils ont fait une recherche approfondie de ce Salamèche qui vient bien évidemment de la collection Destinée de Paldea 4.5. Ce Charmander, Pop 1, car il est revenu en 10. Alors ça, t'es tous, on va pas te mentir, tu vas faire des envieux. Hein. Il te manque plus qu'un petit reptincelle derrière et elle est belle. Hein. Et alors attention, parce que autant vous pouvez vous dire, bon, ça c'est le pire. Il a pas eu de chance. Sur les deux roues qu'il a fait, lui, il a pas eu de chance, quoi.
Ah là là, je suis mort. Fampi, magnifique. Bah Fampi quoi, voilà, on va pas parler plus, hein, 4.5. Fampi, standard, pas reverse, rien, Fampi quoi. Donc pop 1 aussi, et attention, c'est encore le million en 10. Alors, on peut noter une chose. La qualité de ce qu'on envoie est incroyable, mais la qualité en qualité, voilà, physique. Pas la qualité de l'image, quoi. Mais les cartes sont quali. C'est magnifique. Double 10 sur de la merde. Ah, j'adore. Franchement, ce concept est imbattable. Et ça fait 2 mois et demi que Noévé ne sait pas ce que j'ai envoyé à Gradé. Il sait pas. Du coup, maintenant, il va autant découvrir la note que la carte. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même ouf. Donc là, il y a déjà une première bonne nouvelle. Après, beaucoup de gens m'ont fait la réflexion. Mais frérot, c'est un fou, il te fait confiance que t'aurais pu changer la carte et tout. C'est vrai, j'y ai pas pensé. J'aurais pu le faire, j'aurais dû le faire. Donc, il pack la meilleure carte, Alternate. Il ne savait pas, maintenant il le sait. Félicitations, Noévé, pour cette magnifique carte. Maintenant, reste à savoir la note. Parce que bon, un drac au feu, c'est bien, c'est du français, c'est dangereux. Donc du coup, nous sommes bien évidemment sur un Charizard X Special Illustration de la collection 4.5 avec la note 2. La roue du con. La roue du con. Voilà, bah, ça c'est masterpiece, hein. Ah, en vrai, ça, les gars, ça, l'histoire, elle est incroyable, hein. Donc voilà, Noévé, qu'a tenté la roue du con chez nous, en français, il a joué le jeu jusqu'au bout, il a pas su sa carte pendant 2 mois et demi, il la découvre, c'est un drac au feu, et c'est un 10, voilà. Ok, je préfère le Spectrum A7. Ouais, moi aussi, je préfère le Spectrum A7. Elle est incroyable. Et il avait changé de slot avec Chucky, oui. Ça aussi, l'histoire est assez folle. C'est qu'il avait échangé de slot avec Chucky. Sur la demande de Chucky. Hein. Chucky qui a dit, oh les gars, je veux changer. Qui veut prendre mon booster? J'échange. Et derrière, il avait aussi un pull paf. Lui, c'est moins fou. En neuf. Ça, c'était moins dingos, quoi.